va exploser. Say that, beautiful. You're alive. Leave me. Please, you have to get away from me. I can't control my powers. I can't. What now? You're gonna let it overwhelm you? I kinda like it. Makes me fall in love again. Please go. Just leave you me. You don't have to lie. I know what you feel inside. You want to live. Live so I can keep holding you close. That's the truth. Because you've fallen for me too. So I'm not going anywhere. Unleash that power. Engulf us both in flames. Anything you wish to do. No matter what, I'm right here. You feel the same, I know it. You fool. Yeah, but you are in love with a fool. Oh, yeah. No, you can't. Don't die. Bah là, elle va vraiment exploser du coup. Bah, elle va le ressusciter. Gorgeous when you're crying. You really are a fool. Oh, shit. Okay. No more laughing for me. Don't push yourself. Let's see. Well, I see an angel, but this doesn't look like heaven. I'm guessing we're still alive. Yes. Hey, that means you got control of your powers. Nice going, lady. Thanks. No, I've almost killed you twice now. And you're the only reason I could suppress my powers. I'm just a useless reject after all. You know that's not true. You tried your damnedest. We both did. That's it. Oops. J'étais en train de lire le chat. We've done good.
Leave the rest to Forseti. Let's go home. On recrute. Vous voulez pas nous rejoindre? On recrute. Home. Yes. Let's go home. Vous pouvez même refaire le coup du... Je monte sur le tank, je fais un super tir. Non? Bon. Non, alors. Bon. Bon, bah. Pas de Valkyria chez nous. Au moins, elle finit pas comme... Selvaria. J'ai pas fait les anciens, j'ai juste joué au premier un peu. Mais je suis pas allé très loin. Donc... Mais bon, ça finit bien. Captain Morgan. Captain. Captain Wallace is here to see you, sir. Oh. Oh. Hello, Mr. Wallace. Bon, toi, faut que tu nous expliques ton plan. I heard you managed to take down the Valkyria. A fine work indeed. Est-ce que c'est une mission suicide? Captain. The captain has something important to tell you. Ah. Listen carefully. Captain Claude Wallace. Yes, sir. I hereby grant you full command of Operation Cygnus. Captain? What are you... Claude, the captain hasn't finished yet. It's time I told you everything. The secret of this ship. The true purpose of Operation Cygnus. Oh putain. Chapter 16. For Ceres' judgment. Ah, je déteste quand ils font ça. Donc on va pas savoir. Super. Va falloir attendre. Terrible. Je suis sûr que c'est de faire péter le bateau en plein milieu de la capitale. Hurry and tell the fire direction center. Don't have much time before we reach the capital. Attention, everyone aboard the Centurion. Wait, that's not the captain. It's Claude from Squad E. This is Captain Claude Wallace. Ooh, capitaine. I have an announcement to make. Please stop working and listen. Moments ago, Captain Morgan entrusted me with command over Operation Cygnus. I know I'm not worthy of this responsibility, but I'll give all I've got to see it through. Oh, encore un discours. Soon, our ship will arrive at Schwarzgrad. The road here was a long one. We lost our sister ships and more of our comrades than I can say. However, we overcame that loss to carry out our duty. Which is why there's something I have to tell you. All of you. The true purpose of Operation Cygnus. This ship holds a weapon of mass destruction. The A2 bomb. Ah, j'avais raison. You saw what happened to the Cavalier. You know how powerful it is. Our mission is to detonate the A2 bomb from within the Imperial Capital. Should we succeed, we cut off the head of the snake. If Schwarzgrad falls, their army falls with it. Et comment on part si on laisse le bateau? We are to infiltrate the capital and detonate the charge stored in the main reactor. Once it's activated, there's no stopping it. We'll have an hour until it detonates. Allies will be there to lead us to the suburbs outside the blast radius. From there, we will watch the end of the Empire. I repeat, our final objective is to set off the A2 bomb. Let's end this war with our own two hands. We can do this. We're gonna win. Bon, c'est un peu moins dramatique que ce que j'avais pensé.
we'll get to go home! Encore heureux qu'on leur dit pas qu'on va tuer une petite fille aussi au passage, mais ça c'est un détail, hein. C'est un détail, on n'en est pas là. Nous avons perdu 2 millions d'hommes faisant péter la capitale ennemie et ses 20 millions de civils. Faut même pas en parler, c'est tellement c'est tellement n'importe quoi des fois. Oh la vache. Just gotta bum rush the capital, chuck the bomb in, and boom! Good night, Empire, right? Ouais, ils sont tous méchants, les ceux de l'Empire. Ouais, ouais. I like it. Let's blow them sky high. J'aime bien parce qu'ils étaient tous là. Est-ce qu'on va vraiment laisser la Fédération utiliser une petite fille en tant que réacteur? Raz, il était le premier à dire, oh non, je veux pas le faire, je préfère quitter la Fédération. Et là. It's our last resort, but it's true. This will end the war. Ah, vous avez complètement oublié NG en fait. The captain was smart to leave Claude in charge. If anyone can lead the operation, it's him. C'est abusé. So close, I can taste it. I swear to make this mission a success. Yetuban? Ah. That must be. Il y en a une qui a tilté. Ah. Oh mon dieu. Well done, Claude. Here. You'll need this key to activate the A2 bomb. The captain entrusted everything to you, including our support. Please, lead us all to victory. No. Mm. Oh. The key to ending it all. This is it. Let's finish the war. Once and for all. Ah, ça y est. Elle va faire la chiante. Look at you, the big boss of Operation Cygnus. What a twist. I never saw it coming. I'm not calling the shots. I'm just pulling the trigger. Hey man, you okay? Don't tell me you're getting cold feet. Ah well, no matter how high you climb, I'll always be here to kick your ass into gear. That's what I'm counting on. Évidemment, c'est le truc le plus réaliste, c'est vrai, ouais. My brother will do whatever he can to stop us. But I know you can get us through. I'm sure he's already come up with the perfect plan. But I'm ready for him. I will not lose. For the sake of those we've lost, I can't. That's more like it. It's your job to make the tough calls. Ours is to make them happen. Everyone believes in you. You can do it, Claude. Yeah. What's wrong, Riley? You've been quiet. Oh, mon Dieu. Let's go, Raz. Huh? Come on, this is our last hurrah before the final fight. God, you're tense. I said, let's go. Fine. See you, Claude. That was considerate of her. Hey, remember those adventures we used to go on when we were kids? After it got dark, we'd sneak into that old abandoned house, one at a time, and tag our names in the basement. I remember that. Kai, the real one, would always go in first. Then he'd hide and wait to jump out and scare us. Yeah, and you'd run away before you got even halfway there. Except for that one time, when your name somehow showed up with the others. That was Kai. He felt bad that I could never get to the end, so he wrote it there for me. I knew that. So did everyone else. No wonder you all called me Scaredy Claude. But you're different now. You've grown up a lot. The A2 bomb. It's Angie. Ah, merci. Isn't it? On en parle enfin. Yeah.
Cavalier explosion came from a girl like her. When the Valkyria in the engine room died, it set off a massive chain reaction. Only this time, we're bombing a city with millions of people living in it. Angie is going to die, and she's gonna take countless lives with her. I keep telling myself it's for Galia and for the comrades we've lost, but that doesn't make it any less terrible. And yet I have to do it. I have to do it. The Federation is still retreating from Operation Northern Cross, and our troops are dying in the Eastern Theater. To end the war, Bah, tu dois faire un génocide, quoi. Flood. C'est bien. Super. The A2 bomb works on a Ragnite implosion. The same technology my father and I developed. I took the research he left behind, and I finished it in Vinland. Sublimating the compressed combustion makes it implode. I knew the military would try to weaponize it, but I was okay with that. No, I wanted that. I thought completing my father's research to destroy the Empire was the perfect revenge. Riley. Good or evil, right or wrong, I don't know either way. But there's one thing I do know for sure. This isn't just your burden to bear. I'm as guilty as you. If you turn that key, I'll carry the weight with you. So don't keep everything bottled up inside. Come what may, we're in this together. Riley. C'est des jolies paroles, mais ouais, enfin... Thank you. Vous allez quand même tuer des innocents et tout. Faire sauter une ville entière, c'est cool. Ils me font rire des fois, genre... Genre ils sont super dramatiques, puis après ils s'en foutent, puis après ils font... Genre ils en ont quelque chose à foutre, mais au final ils le font. There it is. Schwarzgrad. We really made it. Ah, c'est joli. Maintain speed and heading. Take us as close as you can, and then we storm the capital. Aye, aye. Speed and heading, steady as she goes. Wait. Something's dead ahead. Huh? A Metal Gear. What? What is that? It looks like an iceberg covered in pillars. According to the map, we're approaching an island. There's a forest on it. Bah, c'est des arbres. Alors c'est des pièges. Those are probably trees, frozen over and covered in snow. Bah, c'est bizarre quand même. Should we go around it? No, we'll push straight across. The Centurion is tough, but it's not that tough. It can crush ice, but hit any rocks and will run aground. The enemy knows that too. They'll be counting on us to maneuver around the island. It's their last chance to stop us from reaching the capital. I'm sure they'll set a trap around the perimeter. In which case, we should surprise them by plowing through. Luckily, we do have a safe route. The Forest of Ice. You call that safe? See how densely packed the trees are? There's no room for any rocks large enough to stop us. True. I don't detect any rocky areas ahead. I see. The frozen trees should be fairly brittle. It's just insane enough to work. All right, maintaining course. I'll concentrate on steering, so I'm counting on you to keep an eye on what lies ahead. Claude, il a une stat de charisme extrêmement élevée. Il peut persuader n'importe qui de faire n'importe quoi en disant n'importe quoi. C'est énorme. Right, leave it to me. Once we break through, the capital is only a stone's throw away. C'est pas... Merde, pardon. Je devrais être habitué avec le temps, mais ça me... À chaque fois, je suis tout le temps étonné en fait. C'est énorme. Good. Pushing through. Stop the engine. Oh, piège. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un filet électrique en scénarium. Patch it through. Aye, sir. This is Captain Forseti of XO. XOF. Attention, Federation Army. We have you surrounded. You have 1 hour to surrender your ship. Otherwise, we will kill everyone on board. That is all. Forseti, wait! Forseti! They cut the transmission! En théorie, c'est complètement con de faire ça parce qu'ils sont très proches de la capitale. S'ils font péter la bombe, la capitale, elle va... Il y a au moins la moitié qui disparaît. Enemies behind us. The path we took here is blocked off. Je sais pas. There's no way to go but forward, but those electrified wires would completely disable the ship. Pourquoi? There's nowhere left to run. What should we do, Claude? It's all my fault. Let us right into his trap. No, it's not over yet. There has to be a way out of this. It's not over, not yet. Did we come this far? Only to lose? We shall not fail! This ship is a fortress. If they intend on laying siege, then we'll fight them as siege breakers. Genre, comment tu peux assiéger... We're not in a position to break much, lady. Quoi que ce soit avec une bombe à l'intérieur. Tu sais qu'au bout d'un moment, si on est cerné... On va faire péter le truc, quoi. The option is to surrender. Hey, the hell are you giving up for? I'm not giving up. Sure you are. You're talking like we already lost. Can you get us out of this in an hour? Hell no. Do I look like a guy with a plan? Then why did you... Le plus gros pourquoi, nous sommes sur un putain de cuirassé, mais personne ne pense à utiliser l'artillerie pour se défendre, faire péter les ballons. Ah oui, non, oui, c'est sûr. But Claude can. Le cuirassé n'a jamais tiré de son plein gré, en fait. Enfin, de lui-même, il sert seulement en mission, ce qui est débile. Claude, hein? He got us this far, didn't he? How many times have we been up against impossible odds, only for my man to pull some genius plan out of his ass? We've all seen it happen. Why don't you trust him now? You're right. He's done it before. He can do it again. J'ai utilisé des ordres de navire. Bah déjà, en fait, la première mission qu'on les avait, j'ai fait le radar là. C'est complètement inutile, c'est bien. Et après, bah, dans la mission, pour faire réapparaître les tanks, une fois, et c'est tout. Ah oui, j'ai testé le bombardement, c'était de la merde. Ça a même pas tué les mecs. J'étais vraiment dégoûté. Can't argue with that. Sorry. I bet Claude's coming up with a strategy as we speak. Raz. What? Claude's in a meeting on the bridge, right? Yeah, I think so. Go to him. What he needs right now is your special brand of idiocy. I mean, encouragement. Tell him how we all feel. All right, I got this. En gros, ils viennent de le dire. Va lui dire des conneries. Et le mec, ouais, j'y vais. Ça marche, y a pas de problème. Je vais lui dire mes conneries.
Ça va le détendre. Are you sure you want to do that? Of course not. I'm grasping at straws here. Sorry. I'll go back to the drawing board. Hey, hold it! Raz, what are you doing in here? I promised I'd kick your ass into gear when you needed it, right? So here I am. Come on, you're the boss here. You can't go making a face like that. No. I suppose not. So what's the plan? The one I had was too risky. We're working on another. Oh sure, we only just passed the 40-minute mark. No big hurry, take your sweet-ass time. Ah ouais, ça va vite quand même. Besides, improvising a crazy stunt at the 11th hour is kind of your MO. Your job's to think up the plan. Carrying it out is mine. Come on, let me hear it. Fine. I'll tell you. Brian! The electric wire blocking our escape is powered by Ragnite. If we temporarily disable it, the ship should be able to make it through before the power turns back on. Le plan super compliqué, alors que on peut tout simplement tirer sur les ballons, c'est vrai. And Luf has located the generator inside the forest. Ha! Then all we gotta do is get there and break it. But we're surrounded, and the generator is heavily guarded. Still, there is a way to break through their formation. Isn't that right, Claude? Ah, comment? S'il me sort encore, le vent va se lever, il y a une tempête qui arrive. Ça va mal passer. Wind whispers. Oh merde, putain, non. Exactly. A strong wind will blow through in 20 minutes. Oh non, non. Tu me l'as déjà fait, ça va pas me le refaire. Given the terrain, it'll cause a whiteout. So, we slip out of the ship while they can't see. Oh man, that's perfect! So what are we sitting around for? Let's get cracking! No, we can't rely on this plan. Huh? If I may, Sergeant, the moment the generator goes down, we'll have to make a beeline for the capital. Ah, donc ils peuvent pas revenir sur le bateau. There, we'll break through their defenses and prepare an escape route for after we set the bomb. Yeah, I know. Clock's ticking, right? That's all we have. There's sure to be a backup generator, so every second will count. We won't have time to pick up the strike team after they destroy the generator. So? Don't you get it, Raz? It's a suicide mission. There's still time. I'll think of something else. But Claude... Get out of here! No! I ain't going nowhere! Then I'll leave! Tu peux pas, t'es le capitaine, abruti. Ah, ah si, tu peux. Ah, ok, d'accord. Ok. Oh mon dieu. God damn idiot. Ouais, c'est ce que j'allais dire. S'ils savent où est le... S'ils savent tellement l'emplacement du générateur, je suis sûr qu'on peut le bombarder. Mais c'est, pendant tout le jeu, ça a toujours été absurde des fois, mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire à chaque fois, c'est énorme. Yo, boss man, got any good plans? Raz, I'm learning to hate myself all over again. I joined the Edinburgh Army to protect what's important to me. A peaceful life, a happy home, and above all, safety for my friends and family. I thought long and hard about this mission, but all I could think of was... My pretty face, huh? When it comes to charging the enemy all alone, you're the best of the best. This op would require a small, skilled strike team. It suits you to a T. It was logically sound. It's the best way to minimize our losses and maximize... God, listen to me. What am I saying? I'm as bad as Frassetti. C'est la guerre. Best, but the more I try to think like a commander, the more I can feel this war twisting me. The tough call is right in front of me, and I can't make it. Huh. Man, what an honor. Back in the day, you would have just bottled this up.
I used to think you were stuck up for keeping all your thoughts to yourself. Really pissed me off. But look at you now. You're the big boss. Everyone here trusts your decisions. J'aime bien parce que depuis le début du jeu, j'arrête pas de faire des références à Metal Gear. À Metal Gear Solid. And no one more than me. You know that, right? You're trusting me with a mission that'll make or break the whole damn war effort. Like I'm a real hero. What, you don't think I can pull it off? Who's a better fit for your plan than Raz the Invincible? Please, Raz. Just drop it. Canon en scénario. Il faut un dégât uniquement en cas de scénario. C'est ça? C'est ça? No. I want to hear you say it. Order me to go. You're not a scaredy clod anymore. Or was that talk about growing up nothing but BS? Put on your big boy pants and just say it. Raz! Please. Get us out of here. I'm gonna nail this one, Commander. Ah, il va se sacrifier. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a personne qui a parlé du comment on s'échappe. Parce qu'à la limite, si on repasse par le même chemin qu'on est arrivé, ben, on récupère l'équipe qui est au sol. Mais il y a personne qui est en train d'expliquer comment on repart, en fait. Une fois qu'on a enclenché la bombe. Mais bon, un détail. Raz, wait. Why did you remove me from the strike team? Don't play dumb. How are you gonna snipe if you can't see? I don't need a sniper rifle to get the job done. Hey, wait your turn. Deadeye Kai will get her time to shine. You're gonna give the other Kai what's coming to him, right? Put a bullet right between his eyes for me. Stop it. That's enough. I don't care what anyone says. I'm going with you. I can only go out there if I know you're safe back here. Long as you're happy, so am I. Here comes the wind! Visibility is at zero. It's a total whiteout! Ça arrive au bon moment. Right on cue. That's the wind talk for you. All right, time to go. Raz. Pensez de Raz ainsi, grand héros. Attends. Au quartier général d'abord. La météo aussi est en scénario. C'est exactement ça. Welcome, Captain. Push yourself. Encore 31k. Merde, j'aurais dû faire sniper d'élite en fait. Ah merde. Ah, c'est pas grave. Je suis un ordre. Ah, toutes les unités à l'attaque, ça y est, putain, c'est celui-là que je voulais tout à l'heure. Ah, ça aurait pu aider contre la sorcière. Je trouve ça un peu con qu'ils aient... qu'ils aient réutilisé le coup du vent. Franchement, ils auraient pas dû.
D'aller au mess, ouais, j'ai. Ouais. Enfin, j'ai utilisé toute mon expérience, c'est pas grave. Je veux en finir, je veux voir la fin, moi. Non, les armures, on est. Je peux pas les augmenter, si. Le lance-flamme, c'est utile. Après, les armes, on utilise des armes ennemies, donc on s'en fout. Enfin, j'ai pas assez d'argent, de toute façon. Ah, usage plus un véhicule de secours, ça c'est utile par exemple. Vraiment, on va se débrouiller avec ce qu'on a de toute façon, je pense. Par contre, je veux juste voir la, le nouveau pouvoir, là, enfin l'habilité de Raz, qu'est-ce que c'est? Si c'est la même chose. Sa détermination augmente toutes ses stats, d'accord. There. On devrait pouvoir se débrouiller comme ça, jusqu'à la fin. Mais du coup, c'est... on envoie qui hein? Time is running out, so I'll try to make this brief. La carte, elle ressemble à celle qu'on avait fait dans la neige, là, au début. Enfin, de, genre dans le milieu du jeu. Devoir neutraliser les câbles. L'équipe d'intervention sera composée du sergent Raz et d'un autre membre. D'après les prévisions, le capitaine Wallace envoie le blanc se déroule. Les clés d'intervention pour ça vers le générateur en arrière. Si la mission est un succès, nous perdrons l'équipe d'intervention. Par conséquent, aucun chef d'équipe ou membre des soins remplaçables, irremplaçables, ne peut participer. Alors, Minerva, non. On peut envoyer Riley? Non. Non, ils ont dit pas de chef de toute façon, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? Odin. On va envoyer Odin. I am Odin, the god of battle. C'est pas, c'est pratique, c'est bien ça. To victory. You better keep up. On aurait dû changer le canon de l'autre tank. I've got this. My turn. Fine placement. Je sais pas qui mettre. Let's do this. Let's do it. C'est pas trop tard. Ouais. On va voir. That's everything. Commence operations, Captain Wallace. Adieu Odin. Adieu Raz. Waouh. Depuis quand t'as une mitraillette comme ça?
has. You're the only one who can lead us all the way to the capital. C'était stylé. Okay, let's wipe that shit-eating grin off Forseti's face. Just watch, Claude. I'll do you proud. Can't see my nose in front of my face. Talk about a whiteout. Claude wasn't kidding around. I could slap an imp on the ass and they wouldn't see me. Well, here goes nothing. Il l'a prise sur une tourelle de bateau. Ouais, c'est pour ça que le bateau il peut pas tirer. Les voiles blancs. La merde d'écran de fumée, les voiles blancs réduisent le champ de vision. Peut-être pas détecté grâce à eux. Les voiles blancs apparaissent de temps à autre, servent de comme couverture et tirent de sensation. Ah, j'aime pas avec ça. Le voile blanc s'est abattu. Ok. Ok, moving out. Quoi ça? Oh, c'est un bunker. Fire! Target eliminated. Keep up the good work. Derrière, il y a. Putain, j'arrive pas à voir. Pas censé avoir un générateur derrière. Advancing. We'll see this through. Ah, on peut détruire ça. Attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est quoi ça? Tire sur les arbres factices, ça va t'aider. Ah ok, ah bah ouais, ok, ça marche. Mitrailleuse char lourd. Ok. Let's go. Bam, 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 bam. Il est tellement petit celui-là. Pourquoi tu veux tirer sur le Hafen? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Faudrait aller là. On va voir. On va voir comment ça se passe. Watch my back. I have faith in you. D'où tu tires? Got enemies here. They're firing at me. Come on. Oops. Pretty good. Agent de destruction. Il a rétréci au level. Non, moi je trouve que le glory il est quand même presque inutile. Ok, moving out. Oh. Bonjour. C'était un tank. Right there. Voilà. No!
J'ai un peu peur qu'il y ait des gens dans les... dans les herbes, genre un lancier. S'il y a un lancier dans l'herbe, c'est mort. On va avancer doucement. Arbre déraciné. Arbre gelé factice. Quoi ? Bizarre, il n'y a rien autour. C'est ça qu'on trouverait d'arbres, il y a des tanks. On va voir. Ça va être un peu chiant d'avancer les gens, Minerva elle va les récupérer. Leave it to me. How's that? Juste au cas où. Non, on va voir. Comment lui il fait pour nous voir à cette distance ? Sans déconner. Alors que moi il faut que je sois à côté pour les pour qu'il s'affiche. Enfin bref. Advancing. I will see this through. You're being targeted. Excusez-moi pour toi. Excusez-moi, demi-tour. Now.
Mal joué. Le scout il permet de voir plus loin. I've spotted the enemy. Pretty good. Il y a un tank là-haut. Là il y a des mecs. Je crois qu'il y a un sniper. Ah voilà, ok. Sniper ici. Moving out. Commencing count. There. Nice. Keep up the good work. Nice. Il y a ce bunker qui fait chier, et le problème c'est que l'explosion de Dragonite l'a pas détruit. Determine our chances. Je les mets un peu au bord, mais bon. Comme ça, ils tireront. Fire. Comment il est pas mort, t'es sérieux? Ah, j'ai déjà fini, merde. Je voulais éliminer le lancier. Bien placé pour eux. C'est un peu un sandwich là. Voilà, très bien, très bien. Comment tu sais qu'on est là? We're fine. Minimal damage. T'as eu de la chance de pas bouger, toi.
Faudrait tirer sur ça, je crois, non? Grenade suffit. Ouais, mais je voudrais les faire avancer en fait. Bon, on verra de toute façon. Ouais, j'ai vu que c'était pas le bon. Moving out. Wide open. Good. That should make things a little easier. The enemy's returning fire. Voilà. On pourrait le tuer avec Kai. Je crois qu'on va faire le coup de la grenade. The darkness within. It ends here. Regarde un peu dans les... Ok. Here comes the pain. C'était marrant quand il... Comme il a eu peur, Odin. Arbre gelé factice. Okay. Arbre grind derrière grenade. Ouais ouais, grenade avec Raz, ça devrait être bon. Come on. Cadeau. Perfect. Easy. Qu'il faudrait faire, faudrait avancer. J'ai envie de replier Minerva pour qu'elle soit là en fait. Ah oui, il y a un mec là à tuer. Oh la vache. Pretty good. On va à droite ou on va à gauche? Ou alors on prend le côté gauche. Avance au moins l'ancien, on aura besoin à droite. Et... D'accord, on va faire deux équipes. You're not cold, are you, Claude? You're not cold, are you, Claude?
Parfait. C'est parfait. Ah merde, on l'a pas détruit. Oh oh non 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 non. Ça va, il s'est pas visé, c'est cool. C'est parfait. Je sais même pas comment il a évité ça. Tu vas pas le finir ce soir, j'ai l'impression. Ouais. L'émission elle dure tellement longtemps. Et les cinématiques aussi en fait, les conversations elles durent plus longtemps. Ça va. Encore heureux que c'est pas un lance-flamme. Hein. Parce que là il aurait fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah oui, c'est le bunker, il faut le finir. Okay, moving out. Fait chier lui d'être là. C'est quoi leurs mitraillettes? Elles sont bizarres. Time to attack. Let's keep going. Target eliminated. This way. Keep up the good work. This way. Let's go. Picking up your slack. They're on to you. Enemies. Over there. Mitraillette à 35 coups. Elles sont vachement larges en fait vers la poignée là. The darkness within. Futile. You fool. A god of war claims you. No! Ça marche, Kratos. The enemy has begun their counterattack. Je fais quoi là, moi? Faut descendre. Je dois aller où? Merde. Ah, c'est le pont. Ok, ça marche. Mitraillette invulnérable. Bon, ça on passera quand il y aura le brouillard en fait. Bien. Take this. Pff,
Come on! Leave it to me. Hmm. Il est en plein milieu du pont. Enfin, il l'a vu sur le pont, donc j'estime qu'il va nous tirer dessus. Il va tirer sur Raz. Non, j'ai pas de balles. J'ai pas d'obus. Ah, là, il y a un truc faux, je crois. Moving out. Il y a peut-être un peu trop de... Oh la vache. Ah, cool. Ah, c'est parfait. Il y a trop de... d'arbres factices, en fait. Eat this. No. Ah, mets-toi au milieu du pont. Ouais, il faut un lancier. Ouais. Oula! Laisse-toi. Bien joué, Odin. J'aime bien parce qu'ils arriveront jamais à prendre notre base en fait. Avec les lanciers comme ça sur le pont. Est-ce qu'Anna pourrait courir jusqu'à la base ? Parce que je voulais directement la redéployer là et après hop, c'était tranquille. Est-ce que tu peux voir les tanks ? Got enemies here. You ain't going nowhere. Come on. Target eliminated. Keep up the good work. C'est des hautes herbes, ça.
Here comes the pain! Found him! Shot fired! Die! Le combat un peu étrange. Au corps à corps comme ça. Ok, on y est presque, on y est presque, on a détruit ça, il manque un tank et il manque sûrement des mecs. Je sais même pas si Odin ça on l'envoie ou pas. Peut-être pas. Let's see some spirit. All in the mind. Anyone hungry? Déploiement rapide, c'est le premier. Les deux doivent arriver à la zone, merde. Je viens de faire partir l'autre pour rien. Ah, quoique non, on était 10 sur 10, donc il fallait faire partir quelqu'un. On va d'abord faire bouger Odin, du coup. C'est marrant de dire ça. Genre quand vous rentrez, vous aurez un truc chaud. Ouais. Sauf que c'est une mission suicide pour eux, c'est pas grave. Détail, détail. Voilà. Bon, bah c'est bon. Il y a Laurent qui protège le pont. Il y a Kai. Ce qui est chiant, c'est que là, Otacon, là, il est complètement tourné du mauvais côté, en fait. Là, il va s'arrêter, il va nous tirer dessus. Ah non. Voilà. Ouais, bon. Soldats d'élite et chars lourds, c'est tout. I'll knock 'em down. There they are. J'aurais pu tester après avec, avec Riley. Riley est trop aléatoire. Soldat d'élite. Ouais. On va voir. Au moins il va se retourner normalement. Voilà. Comme ça ils tireront pas directement sur les deux. Allez, ramenez-vous. All right, get behind me. Watch my back. C'est lui qui donne l'arme. Wide open.
Your own damn fault. Good. That should make things a little easier. Go, 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 go. Ta-da. Je pense pas qu'on ait A, mais... Il est juste en dessous, en fait. D'accord. Oh man, there it is. The generator. Damn it, they're on us. Look at all of them. Where'd they come from? Fine, I'll handle this. Hey, go on without me. Ils sortent peut-être de la capitale. What the hell are you doing? These peons are no match for a god of war. You move on. I shall toy with them here. So that's how it's gonna be, huh? Fine. You got this. Well, see you later. Oh god, I don't want to die. No. No. This time, I'm not running away. I am a warrior. Yeah. Headquarters has decorated. Yeah. Vous avez envoyé votre meilleur ami au suicide. Gagner une médaille.